l'un des défis majeurs des métropoles est de concilier développement urbain et préservation des espaces ouverts. L'Île-de-France est riche de ses 80% d'espaces agricoles, forestiers et naturels. Qualité de vie, espaces de respiration, approvisionnement alimentaire, les espaces ouverts sont essentiels à l'équilibre d'une région qui accueille 12 millions d'habitants, soit un cinquième de la population nationale. Urbanisation, fragmentation, dégradation, les espaces agricoles, forestiers et naturels sont sous pression. Ne pas tenir compte de ces pressions, c'est sous-estimer l'impact économique, social et environnemental encouru. C'est aussi ignorer le coût financier global supporté par la collectivité si ces espaces venaient à disparaître. Garantir un développement économique viable des activités agricoles et forestières et un fonctionnement durable des écosystèmes, tel est l'objectif. Pour élaborer des documents d'urbanisme et des opérations d'aménagement pertinentes, un outil de connaissance et d'aide à la décision s'est imposé, l'analyse fonctionnelle des espaces ouverts. Il s'agit d'analyser les logiques de fonctionnement des espaces agricoles, forestiers, naturels et ouverts urbains pour assurer leur préservation. En quoi cette méthode est-elle novatrice? Elle apporte une approche globale qui traite de tous les espaces ouverts, une lecture dynamique et systémique du fonctionnement des espaces ouverts qui va au-delà de l'inventaire écologique ou du diagnostic agricole, et une méthodologie adaptée à l'élaboration de tous les documents de planification en Île-de-France. Mieux connaître et prendre en compte le fonctionnement des espaces ouverts ne s'oppose pas aux projets de développement urbain. Cela permet d'optimiser leur localisation pour éviter de déstructurer inutilement les espaces ouverts tout en améliorant le cadre de vie des citoyens et les paysages franciliens. L'analyse fonctionnelle n'est pas une finalité, c'est un point de départ. C'est de la rencontre des logiques urbaines et des approches espaces ouverts que doivent émerger les projets de territoire.